Bonjour, c'est Marie. Bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation dédiée aux femmes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer une méditation sur le cycle féminin. Trouvez-vous un endroit où vous ne serez pas dérangée. Éteignez votre portable. Asseyez-vous confortablement ou bien allongez-vous si vous préférez. Fermez les yeux, les pieds bien à plat au sol, le dos droit, dans une position digne. Vous allez d'abord vous reconnecter à votre corps en douceur. Ressentez vos pieds en appui sur le sol, vos cuisses, vos fesses sur la chaise. Reposez-vous sur tous ces points d'appui qui vous soutiennent naturellement. Ressentez vos vêtements sur votre peau, vos cheveux près du visage. Restez quelques secondes avec toutes ces sensations corporelles. Puis centrez votre ressenti sur ce que vous entendez, ma voix, la musique, des bruits extérieurs peut-être, et accueillez-les sans jugement, juste pour ce qu'ils sont, des mouvements sonores dans l'espace de vos sensations. Maintenant, vous allez vous reconnecter à votre corps par votre respiration. N'essayez pas de la changer, prenez-la telle qu'elle est, ici et maintenant. Peut-être qu'elle évoluera pendant la méditation, mais ce ne sera pas volontaire. Suivez le mouvement de l'air qui entre par le nez, qui continue le long de la gorge, et jusqu'à l'entrée des poumons. Puis suivez le retour des poumons vers la gorge, puis le nez ou la bouche. Sentez également votre poitrine qui se soulève et se baisse au rythme de votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle, puis qui se dégonfle à chaque expire. Suivez votre respiration comme de douces vagues qui vont et viennent à un rythme apaisant. Tout en continuant de suivre votre respiration, vous allez maintenant détendre tout votre corps. Le front se lisse, se détend. Les yeux se posent. Les paupières. Les joues, les mâchoires, le nez se décrispent. La langue est posée tranquillement sur le palais. Le cou, la nuque se relâchent. Les épaules se détendent. Le bras droit est détendu jusqu'à la main qui est souple, posée.
Le bras gauche est détendu jusqu'à la main gauche. Posez tranquillement. Toute la colonne se détend, des cervicales vers la nuque, en descendant jusqu'au sacrum et au coccyx. Vertèbre après vertèbre. Vous relâchez la poitrine en faisant quelques respirations amples. Vous sentez tous vos organes internes dans votre ventre qui se détendent, qui prennent leur place, s'étalent, se posent. Votre périnée se détend. Puis votre jambe droite jusqu'au pied droit et aux orteils. Et enfin, votre jambe gauche jusqu'au pied gauche et aux orteils. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expire cette sensation agréable de descente calme et paisible. Calme et paisible. Tout le corps est relâché, l'esprit est calme, apaisé. Vous allez maintenant visualiser un ruban bleu qui ondule dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un petit cours d'eau de 2 mètres de large environ, bordé d'arbres. Cette rivière n'est pas profonde, à peine 50 cm de profondeur. Et tout au long de cette rivière, il y a un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière. En contemplant l'eau, imaginez que tous vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Toutes ces feuilles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin, dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous ce dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, glisse. Observez bien ce cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pas pourquoi le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Vous suivez toujours le sentier, vous vous sentez bien, calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin qui mène à une belle prairie ombragée. Vous avancez toujours calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire,
sans aucun danger. Vous vous asseyez sur un banc en bois qui vous attend. Vous êtes détendu. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante. Et vous observez tous les bruits, les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles. Vous sentez une brise légère qui vous effleure. Observez la nature autour de vous, le vent dans les feuilles, les rayons du soleil entre les branches, les rayons du soleil qui jouent dans l'herbe, le ciel bleu, lumineux. Observez, savourez cet instant paisible. Puis, vous regardez de nouveau cette clairière et vous apercevez quatre maisonnettes. Chacune d'elles représente une phase de votre cycle menstruel. La maison du printemps, la première à gauche, représente votre phase préovulatoire, juste après la fin de vos règles, que l'on appelle également lune. Puis à sa droite, à côté, vous voyez la maison de l'été qui représente votre phase ovulatoire, environ 15 jours après le début de vos lunes. Enfin, la maison de l'automne qui représente la phase prémenstruelle. Et en dernier, la maison de l'hiver qui représente votre phase menstruelle ou phase des lunes. Revenez à la première maison sur votre gauche, celle du printemps de votre cycle. Elle est entourée de fleurs qui viennent à peine d'éclore. Après un long hiver, la nature se réveille. Votre maison baigne dans les rayons du soleil. Vous êtes devant cette maison, habillée légèrement, seule, tranquille. Vous regardez les fleurs, les sentez. C'est vous là. Vous vous regardez marcher, peut-être danser. Vous célébrez le renouveau. La nature est enjouée, joueuse, rieuse. Vous avez envie d'agir, d'action. Vous êtes prête à déplacer des montagnes avec facilité et aisance. C'est une phase d'action. Puis vous regardez juste à côté, à droite. Il y a une autre maison. Le printemps est fini, a fait place à l'été. C'est votre maison de l'été. Elle est entourée d'arbres fruitiers magnifiques. Abricotiers, pêchers, cerisiers. Il y a même un potager rempli de légumes. C'est l'abondance de l'été. Le soleil est à son plus haut, au zénith. Il fait très chaud. Vous vous regardez. Vous êtes devant votre maison. Au milieu de cette abondance, entouré d'amis, vous échangez, vous parlez, vous riez. Vous vous sentez belle, vous sentez sensuelle, heureuse de profiter de cet été. C'est une phase de partage. Puis vous regardez juste à côté à droite. Il y a une troisième maison. L'été a pris fin, l'automne est là. C'est votre maison de l'automne. Autour de cette maison, c'est la tempête. Le vent souffle, les arbres perdent leurs feuilles de l'été en tourbillon. Peut-être qu'il pleut, il peut même y avoir des éclairs, du tonnerre, des bourrasques. C'est le temps du grand nettoyage. Des remises en question et en même temps le temps de la créativité, d'avoir de nouvelles idées. Vous vous voyez devant chez vous, en train de nettoyer, balayer les feuilles mortes, de les jeter, de trier ce que vous gardez, ce que vous ne voulez plus. Puis vous vous voyez
à l'intérieur de votre maison, vous faites la même chose. Le tri. Je jette ce que je ne veux plus. C'est une phase de nettoyage. Puis vous regardez à droite, la dernière maison. L'automne est fini, l'hiver est là. Cette maison contraste avec la précédente. Là, tout est silencieux. La maison est sous un épais manteau de neige. La nature environnante, arbres, prairies, est couverte de neige, blanche, étincelante. Il n'y a pas un bruit, pas de vent. Tout est calme. Vous regardez par la fenêtre de cette maison et vous vous voyez installé confortablement dans un canapé ou dans un fauteuil, auprès d'un feu de cheminée, une couverture douillette sur vous, une boisson chaude qui fume juste à côté, et vous ne faites rien. Vous êtes centré sur votre intériorité. Vous êtes posé, calme. Vous prenez soin de vous, de votre bien-être. Vous savez que plus vous serez posé et centré dans cette phase, plus vous reposerez dans cette période et plus vous serez à même de vivre pleinement la prochaine période de printemps qui s'annonce. C'est une phase d'intériorité. Puis vous revenez sur votre banc. Vous vous installez confortablement et vous regardez ces quatre scènes. Votre printemps, plein d'énergie. Votre été, plein de partage. Votre automne, phase de grand nettoyage. Et votre hiver, phase d'intériorité. Vous voyez que chacune de ces phases a sa place. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Plus vous vivrez pleinement chaque phase, plus vous pourrez en tirer des bienfaits. Sur votre banc, au milieu de toutes ces phases qui représentent les phases de votre cycle féminin, vous comprenez aussi que vous pouvez à tout moment vous retirer de chacune de ces phases pour devenir observatrice de ce qui s'y passe. Vous reconnectez à ce point zéro. Sur votre banc, où vous n'êtes plus actrice de la scène, de la phase, mais simple spectatrice de ce qui s'y passe. Vous avez alors plus de recul et savez qu'aucune phase n'est vraiment vous.
que vous êtes toutes ces phases tout en étant quelque chose au-delà de ça. Restez encore quelques minutes en observant avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance ces quatre belles facettes de votre cycle. Savourez cet instant de paix. Puis, vous vous levez doucement et retournez tranquillement vers le petit pont de pierre. Vous savez qu'à tout moment, et quelle que soit la période du cycle dans laquelle vous vous trouverez, vous pourrez toujours revenir dans cette clairière, sur ce banc. Pour prendre du recul, pour retourner à votre point zéro, ce point de l'observatrice. Vous retraversez le petit pont de pierre dans l'autre sens, prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cette prairie, des arbres, le parfum, les couleurs, les odeurs. Vous relongez la rivière du début et la rivière se retransforme en un beau ruban bleu qui s'envole dans le ciel. Pendant quelques instants encore, vous profitez de ces moments de bien-être, tout en vous faisant à l'idée de quitter cet état. Vous dégustez, savourez ces moments privilégiés dont vous vous souviendrez et dont vous emporterez les bienfaits avec vous. Vous allez maintenant reprendre conscience des bruits extérieurs, ici et maintenant, de ce qui vous entoure, de votre corps, de votre respiration ample et calme, de votre présence dans cette pièce. Bougez doucement les orteils, les pieds, puis les doigts, les mains, progressivement et en douceur, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, tout doucement. Inspirez plusieurs fois profondément. Sentez comme chaque inspiration vous réveille. Vous apporte de l'oxygène, de l'énergie. Vous pouvez bâiller, vous étirer longuement. Prenez votre temps. Et quand vous vous sentez prête, vous ouvrez les yeux. Bravo à vous.
de vous être accordé du temps pour votre mieux-être. Je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation.